Salut les filles, donc aujourd'hui une petite vidéo sur que penser de nos produits ultra doux. Laura, tu m'excuseras, je me suis un petit peu servie dans ta réserve. Donc j'ai pris un shampoing ultra doux à base de nacre naturel et extrait de cerisier qui est formulé donc sans parabène et une autre un après-shampoing à l'huile d'argan et cranberry également qui se trouve apparemment sans parabène. Je vais vous parler un petit peu de leur composition et un petit peu de ce qu'on peut en penser. Et pour celles justement qui cherchent une alternative naturelle, qu'est-ce que justement il faut en penser? Est-ce que c'est bien ou pas? Je suis allée un peu sur le site La Vérité sur les cosmétiques pour étudier un petit peu les composants de chacun de ces produits. Donc on va commencer par le shampoing. Donc sachez que j'ai constaté une chose, sur les shampoings et après-shampoings, ici, juste ici au-dessus du petit truc, c'est écrit sans parabène. Mais en général, quand il n'y a pas de parabène, il y a des silicones. Ou quand c'est écrit sans silicone, il y a la présence de parabène. Donc par exemple, dans les masques, c'est écrit sans silicone, et effectivement, c'est sans les silicones, mais il y a présence de parabène. Donc se méfier à ce sujet, parce que si vous ne trouvez pas l'un, vous trouvez l'autre, ou très rarement la présence de parabène, de silicone quand c'est indiqué. Dans le ultra doux, qui est sans parabène, sachez qu'il y a dedans des silicones. Voilà. En ce qui concerne l'après-shampoing, c'est sans parabène, mais aussi, il me semble, sans silicone. Enfin, sans silicone au niveau du nom à proprement dire. Après, il y a des noms qui sont beaucoup plus longs, qui sont imprononçables, incompréhensibles, qui peuvent être justement des dérivés de silicone, donc il faut se méfier. Donc, au niveau du shampoing. Donc nous retrouvons le sodium lauryl sulfate qui est un tensioactif agressif pour les cheveux. Donc on le trouve en deuxième position. 3, 4, 5. En cinquième position, on retrouve le diméthicone qui est un silicone. Donc faire très attention lors du choix de votre produit. Ensuite, tout ce qui est CI. Juste après, en sixième position, sixième, septième. C'est écrit CI avec un chiffre à côté. Donc ici, j'ai le 14 700 et le 17 200 qui correspondent à une couleur. En gros, ça, c'est la couleur du produit. Donc ici, ils ont utilisé du rouge pour donner une teinture rose au produit. Donc ils sont des colorants azoïques, qui sont pas terribles au niveau de la composition. Vient également, juste après, attention, accrochez-vous, le guar hydroxy propyl trimonium chloride. Ça, c'est un mot que vous n'allez pas retenir automatiquement parce que c'est un nom qui est très très long et que vous n'allez pas du tout retenir et qui est un agent filmogène. Ça agit comme les silicones. C'est un petit peu comme le silicone mais sous un autre nom, donc un nom beaucoup plus compliqué et que vu qu'on ne le retient pas, tout de suite on se méfie moins du nom du produit, du composant dans le produit. Après, on a la présence de PPG, PPG 5, 7, 20. Donc tout ce qui est PPG et PEG, ce sont des solvants qui ne sont pas non plus très très bons pour les cheveux. Donc on a également du méthylchloroisothialinone, qui est un nom pas mal du tout non plus, qui est un conservateur chimique. A priori, pour moi, qui suis au naturel, j'achèterai pas du tout ce shampoing et je ne le conseille pas pour les filles qui veulent passer au naturel. Je trouve assez décevant, étant donné que Garnier utilise beaucoup l'utilisation de fruits, d'argan, de cranberry, de karité. Et au final, en fait, on se retrouve avec une composition assez douteuse quand on regarde sur La Vérité sur les cosmétiques. Donc ensuite, on va passer à notre fameux après-shampoing, cranberry et argan. Qui est déjà moins dégueulasse. C'est déjà un petit peu mieux niveau composition. Mais sachez que tous les produits, que ce soit tous les après-shampoings ou tous les shampoings, n'ont pas du tout la même composition. Donc se méfier. Donc ça veut dire que celui-ci, il va être plutôt bon, entre guillemets. Et ça ne veut pas dire, par exemple, que celui au karité ou au cacao, par exemple, va être aussi bien que celui-là, entre guillemets. Hein. Je reste bien sur les guillemets parce qu'il y a quand même des trucs pas top. Hein. Alors, on y va. Donc on retrouve du dipalmito. Il est-il hydroxytrimonium méthosulfate? Ouh, pas mal du tout. Qui est une substance chimique antistatique. Ensuite, on a un quaternium qui est également antistatique. On retrouve du cétrimonium chloride qui est un démêlant. Donc, effectivement, pas de présence de parabène, mais je pense que derrière les noms bizarres que j'ai retrouvés se trouve certainement la présence de silicone sous un autre nom.
Donc, comme vous voyez, il n'y a pas de grand-chose de dégueulasse. Donc, juste trois trucs, apparemment, donc dans cet après-shampoing. Mais donc, pour les filles qui passent au naturel, donc qui sont en transition ou quelque chose comme ça, je déconseille fortement l'utilisation des shampoings. Donc, ils sont pour moi encore trop dégueulasses pour ça. En revanche, les après-shampoings, si vous n'avez pas trop l'occasion de. Si vous ne trouvez pas justement d'après-shampoing tel que Timothée Bio ou quelque chose comme ça, c'est bien en dépannage ou si vous n'avez pas beaucoup d'argent à investir dans le mois, c'est vraiment bien en dépannage, mais c'est pas nickel au niveau de la composition. Donc, en ce qui concerne les shampoings et après-shampoings ultra doux, vous pouvez les utiliser en tant que produit de transition, mais après, lorsque vous êtes au naturel, ça sert plus à rien de rester sur ces produits qui sont encore beaucoup trop dégueulasses pour vos cheveux. Donc voilà ce petit sujet parce qu'on me pose des questions justement ce qui concerne les produits ultra doux qui paraissent être naturels, qui sont sans parabènes et sans silicone, mais automatiquement quand il n'y a pas de parabènes, il y a des silicones, et quand il n'y a pas de silicone, il y a des parabènes. Et quand il n'y a aucun des deux, il y a autre chose. Donc faut quand même se méfier, bien regarder la composition et si possible retenir un petit peu ce que je vous ai dit. Mais les mots sont tellement longs que c'est impossible à retenir et lorsque vous allez acheter votre produit, vous allez regarder la liste de composants, ben vous allez être un petit peu perdu. Donc franchement, faites très très attention donc à la composition de ces produits. De même pour tout ce qui paraît naturel comme Timothée. Donc si c'est pas la gamme Timothée Bio, faites très attention donc à la composition. Après, qu'est-ce qui a l'air naturel? Le dope nature qui est à 90% biologique ou je sais pas, un truc comme ça. Pareil, se méfier parce que c'est pas naturel. Qu'est-ce qu'on a encore comme gamme qui fait un peu genre naturel? Yves Rocher. Yves Rocher, se méfier parce que c'est aussi loin d'être naturel quand vous regardez la composition des produits. Qu'est-ce qu'on a encore? On a René Fürterer. Qu'est-ce qu'on a encore? La marque, où on me parle aussi de la marque Phyto qu'on trouvait en pharmacie. J'ai regardé hier la composition et ça n'a rien de naturel. Les produits sont vraiment dégueulasses. Donc voilà un petit peu pour ça. Donc méfiez-vous de ce que vous trouvez dans votre magasin. Si ça n'a pas de logo bio, donc bio Écocert ou Cosmé Bio, quelque chose comme ça, faites attention parce que ces produits donc, sont susceptibles de se retrouver avec une composition peu sympathique. Donc voilà un petit peu à ce sujet parce que je sais que beaucoup d'entre vous carburent au ultra doux et au final c'est pas très très bon. Les après-shampoings sont peut-être les plus fiables par rapport aux shampoings mais ça reste à vérifier. Sachant que chaque shampoing, chaque après-shampoing n'a pas du tout la même composition. Donc dans certains vous allez peut-être retrouver plus de cochonneries que dans d'autres. Donc faire vraiment très très attention donc à la composition de vos produits. Donc j'espère que ce petit point sur les produits ultra doux vous aura permis d'ouvrir les yeux, de constater que ça c'est pas si naturel que ça, même si c'est ultra doux, entre guillemets. Donc faites vraiment donc très très attention quand vous irez au magasin choisir vos produits. Donc je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut les filles!